أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Musulmans, musulmanes, le sujet d'aujourd'hui traite d'un péché qui est extrêmement grave. Un péché dont le savant Ibn al-Qayyim a dit qu'il est plus grave que la fornication ou le fait de consommer de l'alcool. Ce péché est plus grave que le fait de commettre la fornication, wal-iyadu billah. Quel est ce péché ? Avant d'expliquer ce péché et de mettre en garde contre ce dernier, nous devons comprendre une notion importante en islam, une mas'ala. Cette notion, c'est ce qu'on appelle « a'malul quloub », les actes du cœur. Certes, l'islam se pratique avec les membres, et la plupart des adorations que nous connaissons, ce sont nos membres qui les accomplissent. La prière, nous la faisons avec notre corps. La zakat, nous la donnons avec nos mains. Le hajj, nous le faisons avec nos corps. Mais il y a des actes qui sont invisibles. Ces actes, ce sont les actes du cœur. Et ces actes du cœur sont ceux qui font qu'Allah, il peut accepter de nous ou s'éloigner de nous, ou refuser ce que nous faisons comme bonne action. Ces actes du cœur sont ceux qui distinguent et différencient deux personnes qui prient dans la même mosquée, au même rang, côte à côte. L'un d'entre eux, sa prière lui pardonne et lui efface ses péchés et le rapproche d'Allah et l'élève en degré. Et le second, sur lui descend la colère d'Allah alors qu'il est en prière, wal-iyadu billah. Parce que la différence entre les deux se joue dans leur cœur, dans les actes du cœur. Le premier est en recueillement, en méditation, en réflexion sur ce qu'il dit. Il est en connexion avec Allah. Le second, son corps est avec nous, mais son cœur est ailleurs. Celui-ci, alors, sur lui, la colère d'Allah descend, qu'Allah nous préserve de ceci. Les actes du cœur, parmi ceux-ci, il y a un péché très grave. Ce péché, c'est ce qu'ont appelé les savants « al-amnu min makrillah », le fait de se sentir à l'abri de la punition d'Allah. La vraie définition, elle va même encore plus loin. C'est le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, du calcul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait, les savants, ils ont dit, c'est le fait que le cœur se sente à l'abri du mal d'Allah. Ou qu'il ne s'imagine pas qu'il va lui arriver un malheur après qu'il ait commis des péchés. Et l'imam al-Haytami, il a dit, comment savoir qu'un homme est atteint de cette maladie grave ? C'est le fait qu'il continue et qu'il persiste dans le péché en espérant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pêche, il continue et il se dit « Allah, il va me pardonner ». Cela, Allah, il leur dit « Je vais vous punir avec une stratégie, un stratagème. Je vais vous punir d'une punition que vous ne vous attendez même pas. Je vais vous punir de là où vous ne vous attendez même pas. » Je vais vous punir alors que vous croirez être dans le bien. Vous croirez faire le bien, mais je n'accepterai rien de vous. Et c'est souvent ce qui se passe dans la communauté. Tu as des gens, quand tu leur parles, surtout les jeunes, ils te disent « Moi, j'ai peur de personne, j'ai peur que de Dieu. » Et dans les faits, quand tu analyses ce qu'il fait dans sa journée, il a peur de tout le monde sauf de Dieu. Mais lui-même, au fond de lui, il croit qu'il a peur de Dieu. Et lui-même, peut-être qu'il est sous le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette punition, elle est très grave. Et Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte de nous donner des chances de sortir de cette maladie. Comment ? En envoyant ces signes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit « Et nous envoyons nos signes aux hommes et aux femmes que pour leur faire peur, que pour faire en sorte que cet apaisement, cette quiétude qu'il y a dans leur cœur, elle sort. » C'est pour ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne peut se trouver dans le cœur du croyant deux peurs ou deux apaisements. S'il a la peur d'Allah dans cette dunya, il sera apaisé dans l'akhira. Et s'il est apaisé dans cette dunya, alors il sera craintif dans l'akhira. Il aura peur. Les signes que nous voyons autour de nous, ce qu'on appelle dans le jargon avec la mauvaise définition, les catastrophes naturelles, les séismes, les incendies, les inondations, sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, dans sa grandeur, il a fait en sorte que chacun d'entre nous, on a vu des images, on a vu des vidéos, on a vu des gens dans les restaurants, dans les hôtels. Et
ces gens, subitement, la terre a tremblé sous eux. Et à ce moment-là, à quoi leur a servi leur famille? À quoi leur a servi la musique dans laquelle ils étaient ivres? À quoi leur a servi leur insouciance? Que leur a apporté leur argent? Leur notoriété? Où était leur diplôme? Wallahi, tout ceci n'a servi à rien. Il y a même une vidéo d'un jeune dans un hôtel 5 étoiles, devant une piscine, de la musique à fond, il était en train de snapper, et il s'est mis à shahad. La ilaha illallah. Et c'est là où on voit les gens réels. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ibrahim, il nous dit « يُثَبِّثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ » On a vu aussi des images à travers le monde d'imams qui étaient en prière ou en train de donner des durus pendant les séismes. Et on a vu la différence de réaction entre les deux. On a vu que les premiers, ils sont partis en courant. Ils ont tout oublié derrière eux. Il n'y a plus de « Ah, mon téléphone !» À mes notifications, à mon portefeuille, à ma carte bleue, il n'y a plus rien, ils ont couru. Et les deuxièmes, subhanallah, on a vu sur eux un apaisement, une quiétude. Et au moment où il s'est passé le séisme, ils ont évoqué Allah avec douceur. Allah, dans surat Ibrahim, il nous dit, Allah apaise ceux qui ont cru avec la parole apaisante qui est le Coran, dans la vie d'ici-bas et dans l'akhirah. Est-ce qu'on a vu quelqu'un de pas pieux rester stable? Wallahi, personne. Les seuls qui sont restés stables durant ce signe d'Allah sont ceux qui ont cru. Ceci doit tous nous pousser à méditer et à réfléchir à notre situation, le jour terrible qui nous attend, qui est le jour du jugement. Comment va être? Est-ce qu'on va être comme ceux qui vont délaisser tout ce qu'ils ont? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le jour dernier, même la mère, elle va jeter son nourrisson. Tellement ce tremblement sera plus grand que ceux que nous avons vécus ou que ceux que nous avons vus. Ces signes, Allah il nous les a envoyés pour que nous revenions à lui. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous donne la solution ou le remède pour ne pas tomber dans ce péché qu'il amnou min makrillah. Chacun d'entre nous doit se poser cette question et doit s'auto-juger. Est-ce que mon cœur est malade de cette maladie ou pas? Cette maladie qu'aucun médecin ne peut guérir, qu'aucun scanner ne peut déceler. Cette maladie que seul toi peux connaître et dont Allah t'a donné le remède. Allah dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa rasulah » Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne soyez pas de ceux qui n'écoutent pas. Et écoutez. Et ensuite il nous dit, « Wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un » Et ne soyez pas de ceux qui disent « Nous avons écouté le rappel alors qu'ils n'ont pas écouté. » Il y a des gens, c'est des musulmans, ils écoutent le rappel, mais ils n'écoutent pas. Qui sont ces gens? Le verset d'après, il explique. Allah nous dit « Inna sharra ad-dawabi 'indallahi as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun » Les pires bêtes sur terre sont les sourds et les muets qui ne retiennent rien. Allah il a dit que ces hommes sont des bêtes. Et dans un autre verset, Allah il nous dit quoi? أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ As-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? Celui, son Dieu, c'est pas Allah. Il adore pas Allah. Dans la langue, il dit « j'adore que Dieu ». Mais dans son cœur, il tremble, il frémit, pas quand on évoque Allah, mais quand on évoque d'autres choses de la dunya. Tu lui parles de foot, il t'en parle des heures. Tu lui parles d'argent, il dort pas à cause de l'argent. Mais quand il s'agit de parler d'Allah, de faire la salat, mais son cœur, il est lourd. Il a du mal. Allah, il a dit sur ces gens, « Inhum illa kal an'am, belhum adhallu sabila. » Ils sont comparables au bétail. Le bétail, c'est les moutons et les troupeaux. C'est les vaches. Et ils sont encore plus égarés. Pourquoi Allah, il les a traités comme ceci? Allah, il nous dit, « Walaw alima Allahu fihim khayran la asma'ahum. » Si Allah avait vu dans ces gens du bien, il leur aurait fait écouter, ils ne leur auraient pas rendu sourds à l'appel d'Allah. Mais ils n'ont pas de bien en eux. C'est des gens, Allah il est en train de nous dire, il n'y a aucun bien en eux. Et même si Allah leur avait fait écouter leur appel, alors ils s'en seraient détournés par la suite. Ça c'est exactement nous. C'est chacun d'entre nous, moi le premier et tous ceux qui sont présents ici. On a vu les signes d'Allah.
Est-ce qu'on va se détourner ou est-ce qu'on va les prendre en considération? Ensuite, Allah il nous dit, ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre, à ce qui fait vivre vos cœurs. Et qu'est-ce qui fait vivre nos cœurs si ce n'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, Allah il dit un verset très lourd. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Et sachez qu'Allah, il interagit dans l'homme entre son cerveau et son cœur. Tu crois planifier, tu crois penser, tu crois faire des choix, mais en réalité tu ne fais rien. Allah, il joue de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé des gens qui ont cette maladie dans le cœur. Al-amnu min makrillah. Le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Et il nous a dit, si tu vois Allah donner la dunya à un serviteur alors qu'il persiste dans le péché, alors sache que c'est un leurre d'Allah, c'est un piège, c'est un stratagème qu'Allah il met. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset, et lorsqu'ils oublièrent ce que nous leur rappelâmes, alors nous leur ouvrîmes les portes de tout le bien. Puis lorsqu'ils furent contents de ce qu'ils obtenèrent dans leurs mains, nous les prîmes subitement. Et les vois-tu donc stupéfaits? Le fait de se sentir à l'abri de la punition d'Allah, Allah il va jouer de toi. Et il va te faire croire que tu es un bon musulman. Parce qu'il va te faire faire des petits calculs dans ta tête. Mais il va interagir entre toi et ton cœur. Et c'est exactement l'histoire qui s'est passée avec le peuple de Had. Allah, dans Sourate Al-Ahqaf, il nous parle du prophète Hud et de son peuple. Allah, il nous dit, mentionne-leur dans leur livre, les frères de Had, il les a appelés au-dessus de toutes les collines. Et ensuite, Allah, il a utilisé une figure de style. Il leur a tellement envoyé des signes d'Allah que ces signes jaillissaient d'entre ses mains et de derrière ses dernières. Quelle a été la réponse de son peuple? Ils se sont détournés. Ils n'ont pas voulu écouter leur appel. Alors Allah a joué d'eux et il les a punis. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. Allah il leur a envoyé la sécheresse comme signe. Et Hud disait à son peuple, cette sécheresse c'est une punition d'Allah, faites attention. Mais ils se sont détournés. Puis Allah il a envoyé un grand nuage. Et lorsqu'ils virent le nuage, Allah il nous dit dans le Coran, ils ont dit, bonne nouvelle, voici le nuage qui va nous sauver. Et Allah il a répondu dans le Coran, بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Mais il est ce que vous vous êtes précipité à chercher, un vent violent qui apporte un châtiment douloureux, qu'Allah nous préserve. Que chacun d'entre nous se pose la question, suis-je malade? Ai-je un cœur malade? Ou ai-je un cœur sain? Et que chacun d'entre nous réponde à l'appel d'Allah. Celui d'entre nous qui s'en détournera ne pourra que mordre ses doigts le jour dernier. Wal'iyadu billah. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin.